vraiment avoir l'air d'un Jackie. Regardez, les slips kangourou, l'attirail parfait du vrai ringard. Il faudra s'habiller comme cela pour participer au grand jeu de piste organisé par l'association Bretzel. Céline, c'est vous qui allez organiser cette grande course, grand jeu de piste. Ça sera samedi, tout le monde peut venir hein? Tout le monde est le bienvenu. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme jeu de piste? Ça veut dire qu'on va découvrir un petit peu la ville, quoi. Exactement, c'est la fête du vélo par Bretzel. On propose aux Strasbourgeois de découvrir la ville à vélo sur cette thématique connue depuis bien longtemps qui est « Où est Chaki ?» à l'Alsacienne. « Où est le vélo de Chaki ?» Voilà, c'est un peu ringard, Chaki. Chaki, non. Charlie, je pense que c'est beaucoup de bons souvenirs pour plein de gens. Après, on l'a amélioré à la sauce alsacienne parce qu'on aime bien s'ancrer dans le territoire. Mais ça serait une bonne façon de faire la fête, hein, ensemble. Oui, bah on pense, et donc on donne rendez-vous place d'Austerlitz à tout le monde pour nous rejoindre. Il va y avoir évidemment le jeu de piste, donc on lancera les gens à la recherche du vélo de Chaki, mais il y aura aussi des petits jeux sur la place d'Austerlitz, des courses de lenteur, un peu tout ce qu'on aime bien faire pour la fête du vélo. Donc le jeu de piste, c'est que Chaki a perdu son vélo, le but c'est de le retrouver. On va venir samedi à partir de quelle heure pour participer à ce jeu de piste? Alors à partir de 13h, on attend tout le monde place d'Austerlitz, et donc pour lancer le jeu, il faut soit contribuer à hauteur de 2€, soit être déguisé sur la thématique de Chaki. Donc je décris pas les traditionnelles rayures blanches et rouges, mais c'est un indice pour pouvoir se déguiser et participer gratuitement à ce grand jeu. À partir de ce moment-là, ils ont quoi? Un cahier des charges? Ils ont des endroits qu'ils vont devoir faire dans Strasbourg? C'est ça, c'est différents indices qu'ont préparé toute l'équipe de bénévoles qui s'occupe de cette fête du vélo. Donc ils sont mis sur des pistes pour découvrir Strasbourg à vélo. L'idée, c'est qu'on a plein de partenaires qui nous soutiennent pour cette fête du vélo. Et du coup, il y a plein de lots, des très chouettes lots que j'ai vu passer au fil du temps et exemple. Des arrivées. Bah, j'ai exemple de plein d'accessoires vélo. Il y a des sonnettes complètement ahurissantes. Je me retiens de ne pas aller en piquer une à l'arrière. Il y a pas mal d'accessoires vélo. Et puis aussi tous les commerçants du quartier qui ont joué le jeu avec nous et qu'on remercie beaucoup. Alors c'est organisé par Bretzel. Bretzel en deux mots, jeu de mots évidemment alsacien. Qu'est-ce que vous faites ici chez Bretzel? C'est un atelier d'autoréparation. On propose aux gens d'apprendre avec nous à entretenir et réparer leur vélo eux-mêmes. Donc là on est dans l'atelier? Là on est dans l'atelier. C'est un atelier qui est ouvert au public pendant 22 heures par semaine, pendant les permanences. On y trouve les outils, les pièces détachées et surtout les conseils des animateurs mécaniciens, des permanents, qu'ils soient salariés ou bénévoles et qui viennent aider les cyclistes adhérents à réparer leur vélo. Voilà, et on a des vélos assez délirants comme celui-ci avec un pédalier, vous le voyez, qui est à cette hauteur. Ça, c'est fabrication maison? C'est fabrication maison et il a roulé pour c'était la fête du vélo 2011 à l'époque, donc ça fait un moment qu'il est avec nous. Voilà, pour participer à ce grand jeu de piste, on vient forcément avec son vélo. Vous fournissez pas? Ah, il vaut mieux se fournir avant, oui. Voilà, et c'est Où est le vélo de Chaki? C'est le grand jeu de piste qui sera à faire et à découvrir ce samedi. Merci à toi. Merci à vous. Toutes les informations s'affichent à l'écran pour participer à ce grand jeu.